Je ne vous salue pas, bande de sales capitalistes, hein, toujours à cliquer comme des salopes du système sur les vidéos de Cyprien Gaming ou PewDiePie là, hein. Vous avez vu mon indignation dans les médias, alors je vais argumenter un peu pour les deux du fond qui suivent pas, hein. Dans le programme d'aujourd'hui, on va dénoncer ce jeu de propagande qui a Assassin's Creed Unity, hein, déjà, le héros s'appelle Arnaud. Mais vous avez vu comment ils écrivent ça, monsieur, hein. C'est comme si j'écrivais Rémi, R-M-I, hein. Est-ce que les parents de Chia avaient ouf, vous savez, ce grand PD qui joue dans Transformers, est-ce que ses parents se sont posés la question, hein. Ça, c'est déjà de la propagande pour les prénoms anarchiques et anarchistes. Tout ça parce que s'ils n'ont pas fait l'américain, ils peuvent pas prononcer Arnaud avec A-U-D, hein. Bon, on peut choisir la langue, mais il est où l'espagnol vénézuélien, hein. Ils veulent enterrer Hugo Chavez une seconde fois, c'est ça des impérialistes, hein. Je vous félicite pas, nazi soft, va. Hein. Alors pour ceux qui me demanderaient mais pourquoi je joue à un jeu sur PC, hein, suffit de voir les initiales, hein. Hein, si je jouais sur PS4, ce serait comme dans PS avec ces faux socialistes de mes couilles là, hein. Et sur Xbox One, mais jamais de la vie. Nourrir ces impérialistes américains, mais jamais de la vie, monsieur, hein. D'ailleurs mon personnage là, le Arnaud de mes couilles sur Evette, je vais le rendre rouge comme les couleurs du front de gauche. Ah, vous l'avez pas prévu ça, hein, nazi soft, hein. Comment vous allez me faire croire qu'on peut être furtif avec une couleur aussi voyante et flamboyante que le rouge du front de gauche, hein. Là on les entend moins, vos grandes gueules de bobos canadiens, hein, hein. Voilà. Et là, il se passe quoi? Il se passe que ça rame, hein. Vous savez pourquoi ça rame? C'est pas parce que j'ai un ordinateur soviétique qui m'a été légué par Staline quand j'étais en faculté de littérature à Vladivostok, hein. Mais c'est parce que ces programmeurs, ils ont fait en sorte exprès que le jeu ne tourne pas sur les ordinateurs des honnêtes travailleurs, hein. Les programmeurs qui se vautrent dans le stupre et le luxe pensent tous qu'on peut s'acheter des ordinateurs plaqués or, alors qu'on trime dans la boue, dans le mercure en fusion, hein, pour engraisser les fortunes du CAC 40, hein. Au final, on a quoi? On a un jeu qui rame, ça c'est la faute du grand capital, hein. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Mais vous avez vu en quelle monnaie ils payent dans ce jeu? Ils payent en francs. Mais ils sont fous, c'est quoi cette France qui prône le retour au franc? Mais qui c'est qui a fait ce jeu? C'est Marine Le Pen ou quoi? Hein, messieurs les historiens de mon cul, à l'époque on payait en louis d'or, et cherchez pas à faire les petits innocents, hein, hein. Il suffit de vérifier sur Wikipédia, hein. À ça, pour reproduire le quartier homosexuel du Marais à l'échelle 1 sur 1, il y a du monde, hein. Mais pour vérifier quelle devise on utilisait à l'époque, hein, y a plus personne. Allez, je quitte cette échoppe, ça m'énerve profondément là. Et vous osez me dire que ce jeu c'est pas de la propagande, hein. D'ailleurs, elle est où la multi-ethnicité de la France, monsieur? On la voit nulle part, hein. C'est des frontistes qui ont fait ce jeu. Franchement, je vois même pas pourquoi vous le remarquez pas, hein. Et là, vous voyez ce que je fais? J'escalade les monuments parisiens comme une espèce de jeune foufou désorienté, hein, qui peut mourir à tout moment. Hein, ça vous semble normal? Vous croyez que c'est un bon exemple à donner ça à la jeunesse française? Hein, et après, on se demande pourquoi il y a des jolies brues qui font du RR surfing. Hein, franchement, c'est plus que de la propagande, ce jeu. C'est les griffes du capitalisme, du révisionnisme et du boboïsme qui pervertissent nos chères têtes blondes. Hein, je vous salue pas, ma bande de fascistes!